Et salut à tous les amis, on est reparti sur notre carrière suivie sur la map américaine. Donc là, je vais commencer par faire un course play puisque on va commencer à faire les gros ramassages puisque j'avais un peu de mal sur les épisodes précédents à gérer un peu tout. Donc maintenant que j'ai téléchargé le course play, je vais pouvoir gérer avec le course play. Donc je vais commencer par faire le course play de la benne de transit, on va dire. Donc si ça lag un petit peu, c'est normal, je suis en train de transformer une vidéo comme d'habitude. Donc là après, c'est pas vraiment de ma faute, je suis obligé de faire comme ça. Non, je vais recommencer puisque là j'ai roulé un peu n'importe comment. Donc je vais repartir au point. Donc j'ai un peu modifié, j'ai enlevé tous les tracteurs que j'avais achetés en AMR parce que sinon on va jamais s'en sortir. Le AMR ne fonctionne pas avec le course play. Donc du coup j'ai enlevé tous les tracteurs en AMR parce que sinon on va pas y arriver. Donc ça j'ai pris ce tracteur là puisque ce camion je veux dire, et cette benne là parce que je l'aimais bien. Mais on verra par la suite si je vais changer ou pas. Pour l'instant, on va faire le course play et cet épisode-là avec celle-là, avec cet ensemble-là, et après on verra bien si je change ou pas. Donc voilà, allez, on va rouler à droite. C'est parti. Donc là, je vais cette benne-là va, je vais aller directement vider ça dans les silos de stockage. Voilà, on va monter par ici. Les vues intérieures, c'est pas terrible pour faire le course play. Donc là, on va aller au silo de stockage, on va être obligé. Il va falloir que j'en fasse plusieurs parce que j'ai plein de champs et comme j'ai des obstacles, je me suis failli tout seul encore, j'ai oublié de tourner. Pas grave, on va rattraper un peu. On va lui faire un peu de route, ça va faire un peu réel. Pour cet épisode-là, on va lui faire de la route. C'est pas très grave. Donc là, normalement, si je vais par là, c'est bon. Et comme ça, en même temps, si je prends plusieurs bennes, les bennes ne se croiseront peut-être pas, puisque si font plusieurs passages, il y aura plus de route à faire. Donc du coup, ça sera mieux pour eux au niveau des passages, au niveau du trafic aussi. Le trafic routier, parce que là, je vais être obligé de faire des trucs bizarres. Donc là, allez, hop, on tourne à droite, à gauche, pardon. C'est parti. On va aller tout droit. Ah mince, j'ai oublié d'enlever les cartes. Le classe. Là, je vais l'enlever tout de suite. Lui va me servir à faire les course play, vidage des silos pour les vendre. Pour aller faire toutes les ventes. Donc il faut que je décroche une remorque. Sinon je pense que ça va pas marcher. Je vais vider un peu dans le silo pour refaire du stock. Allez, c'est parti.
sélectionner la roue la prochaine fois. Je passe à côté de la station, enfin à côté du truc à essence. Je veux pas. Je veux pas en mettre de gasoil. Bon, on verra bien. On verra bien si ça a fonctionné. Sinon c'est pas grave, au pire des cas je le referai. Allez, on repart sur les champs. En plus j'avais tout mis en colza là, ça va pourrir. Il faut vraiment que je me dépêche. Et je me suis encore trompé. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, c'est un épisode de programmation course play. Là, ici, c'est pas très grave non plus. Hop, on est passé à côté de la gare. Là. Normalement mon point il est là, donc je vais faire un demi-tour. J'aurais pu faire le tour du champ. Donc là le demi-tour je vais le faire. Je sais pas trop ce que je fais. Bon, on va aller comme ça, tant pis. Hop. C'est le course play d'essai. On verra par la suite. Ça lag un petit peu. Ok, donc celui-là, vidage, ben. Ok, démarrer la course. Et on va laisser faire pour voir ce que ça va donner.
celui-là. C'est pas facile de le revendre, de toute façon il va me servir à rien pour l'instant. Voilà, on va mettre celui-ci. C'est celui qui va nous servir de... Enfin, c'est ceux qui vont nous servir puisque j'ai pris les transbordeurs exprès. Bah, du coup je vais pouvoir diviser un peu les moisbats aussi puisque comme les transbordeurs vont pouvoir gérer les moisbats, ça va pouvoir améliorer un peu le améliorer la performance de l'évidage, donc la productivité. Rediviser un peu les moisbats dans tous les côtés, enfin, sur plusieurs champs. Donc celui-ci, je vais le placer ici pour l'instant. Maintenant, je vais prendre la première. Elle est où celle-là? Elle est là, tant mieux, ça attaque. On va la faire travailler toute seule, c'est parti. Celle-ci, on va la refaire travailler toute seule aussi, c'est parti. Mais sur le champ numéro 8. La productivité. Ok. Je vais chercher le transbordeur. Celui-ci, je vais commencer une course. On y va. Je vais le programmer comme ça. Tac. Ça va vider. Ça pousse un peu là. Ça me paraît un peu haut. Je vais placer un point d'attente qu'on va mettre. Okay. On va mettre à 90 secondes. On repart. J'aime pas du tout ça. Et on va lui faire le tour sur le champ, tant pis. De toute façon, il n'écrase pas les cultures, hein, donc là pour l'instant, c'est pas un problème. Si je peux faire le tour du champ.
Ça va mettre beaucoup trop de temps. Et comme les transbordeurs, c'est pas très très grave. Allez, hop, c'est parti. On fait le tour ici. Ah ouais. Hop là. Donc on lui sélectionne la fonction transborder. Là on va lui sélectionner la moisse batte qu'il nous faut. Tac tac. Donc c'est la quad track à 181 mètres recherche automatique. Démarrer. Normalement, il va les prendre celle-ci. Pourquoi il s'est fait en arrière devant le camion là. Ok, premier réalisé, c'est bon, on va prendre le prochain. On va le vider ça dans la même benne, ça ira beaucoup plus vite pour faire les navettes. Donc ça c'est la spéciale KZH sur l'américaine. Donc là on va commencer à activer un petit peu là parce que ça va commencer à pourrir. J'espère que la hauteur de la benne ça va aller. Je vais pas avoir de problème. Donc sûrement après aussi je ferai un épisode en off. Donc l'épisode juste après ça sera un épisode en off mais que avec des programmations de course play. Donc là je suis en train de vous expliquer un peu ce que je vais faire. Donc ça sera un épisode en off. En voix off, mais ce sera que du course play, donc organisation des courses. Et s'il faut recommencer quelques courses, je le ferai. Donc ça risquerait d'être un petit peu long. Et donc je m'organise un peu sur cette carrière suivie. Parce que là, je suis un peu débordé. J'ai plein de champs. Et enfin, je commence aussi à faire mes animaux. Donc ça va prendre un peu de temps. Les amis, ça va être obligatoire. Donc celle-ci, je vais la faire repartir ici. Celui-là, je ne vais pas se regarder du coup. Non, j'ai pas pensé. Alors, transborder. Champ 9 à 8 et 9. Ok. Là, je vais commencer la course sur celui-là. C'est parti.
par terre. Voilà. Ok. Transbordeur. Donc là, normalement, il va aller chercher bientôt la machine. Je vais regarder ça.
Ok, donc là du coup, il faut que je retrouve les autres masses parce que celles-ci, elles vont pas. Elles touchent par terre. Donc on va prendre des autres masses. Ouais, comme ça, c'est très bien. Tac. Normalement, celles-ci, elles vont bien. Et voilà, pas par terre, c'est très bien. On a que 3 machines, 3 masses battes, 3 épandeurs, 3 pas épandeurs. Les épandeurs, ça se dit pas déjà. Trois, je m'en rappelle plus. Transbordeurs, voilà. J'ai des trous de mémoire, les amis, hein. Je suis désolé. Allez, on est parti, on va ramener ça là-bas. Je vais voir si je peux changer le sens. Donc du coup là, je vais devoir aller sur le champ 7 et 11. Sur le champ 10 et 7, allez hop, c'est parti. Je vais devoir acheter un nouveau camion. De route à faire, les amis. Bon, du coup. Bon, ça va être une sacrée entreprise parce que là, du coup, ça va tourner à fond. Et là, j'ai fait une grosse boulette. Allez, où cette machine? Là, est-ce que lui va vider bien ou pas? Ouais, c'est bon, ça vide. Allez, on retrouve sur celle-ci.
Désolé, les amis. Désolé. Ok. Forte demande de blé. Bon, je vais amener ça là-bas et c'est maintenant ou pas? Ouais, à la gare. J'allais faire le cosplay. Est-ce qu'on en a au moins? Ouh, bah oui, on en a pas mal. Ça c'est le champ 7-10-11, on va faire avec l'autre. Avec le transbordeur. Américain aussi. C'est pas grave. Ah, les roues arrière directionnelles aussi, ça fait très sympa. J'avais même pas vu. Allez, on est parti. On va. On essaie le cosplay. Raison pour la programmation du cosplay pour la forte demande de blé, je le ferai hors vidéo, enfin hors cam. Non, pas hors caméra, hors je le ferai en off comme ça. Moi je vais mettre le canon ici. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait qu'on tourne tout le temps dans le même sens? Alors comment ça?
film, mais c'est pas grave. Ben, champ 7, 11 aussi, hein. C'est pas grave. Ok. Là, on va chercher le transbordeur. On va lui commencer la course. Voilà. Transborder champ. Thank you.
Ok. Par contre, on va aller voir comment ça se passe ici. Nickel. Normalement celui-là il va le vider dans le camion. On va attendre, voir. Lag un petit peu les amis, je suis désolé. Il a déjà été vidé. Ok, le camion est plein, normalement il devrait partir. Et si j'ai lancé la course play, ça serait bien. Ok, bah c'est bon. Ça c'est bon. C'est pareil, il est démarré. Ok, donc je vais m'occuper. Bah, je vais arrêter la vidéo ici, les amis.
Ok. Bon, j'arrête la vidéo ici. Donc, c'est l'épisode sur la map américaine d'origine du jeu et spécial cosplay et spécial case. Donc, là, comme je vous ai dit, j'ai un peu de mal à gérer à faire ça tout seul puisque j'ai acheté beaucoup de champs et les champs sont super grands. Donc, du coup, voilà. Donc, le prochain épisode, il sera en off. Je vais lancer le cosplay pour la forte demande de blé et les cosplays aussi pour les betteraves. Donc je vais devoir acheter un camion parce que le camion que j'ai ne va pas. Et donc voilà, vous allez voir tout ça, mais malheureusement ça sera en off puisque je vais avoir du monde qui va arriver chez moi et ça va pas être terrible. Donc voilà les amis, allez, je vous dis à tout de suite. Ciao.